Hello vous, nous nous retrouvons dans un nouveau jour et comme vous avez pu le voir aux images juste avant, j'ai eu un très bon petit déjeuner, mais malheureusement la météo aujourd'hui, ça ne dépassera pas les 10 degrés et il y a du vent et possiblement il va pleuvoir, donc c'est pas grave, j'ai mis mon meilleur hoodie pour m'accompagner et il y a une tête capuche. Et pour la blague, ceux qui aiment la mythologie l'auront, j'ai mis un collier miroir, miroir méduse, reflet. Si t'aimes un peu la mythologie, t'as compris quoi. J'en profite pour répondre à une autre question. Est-ce que tu portes le voile dans tes pratiques? Alors la réponse c'est non. Pourtant j'ai vraiment eu l'occasion d'y réfléchir plusieurs fois. Il y a Marie qui m'avait proposé de participer à sa vidéo sur le voile qu'elle avait fait sur YouTube, mais comme je le portais pas, bah, j'ai pas participé, ce qui est logique. J'ai une personne que j'apprécie énormément, qui tient la boutique Au fil de l'eau, qui elle fait des voiles païens également, qui sont très jolis, très jolis. Du coup c'est quelque chose que quand même j'ai été confrontée à me poser cette interrogation, est-ce que je veux ou non porter le voile? Et je me suis rendu compte que ça ne m'apporte rien personnellement, que je suis pas sûre de vouloir le faire, et pour moi quand je porte le voile, peu importe la raison, que ça soit une question religieuse ou autre, il faut que ça soit un choix personnel et ce n'est pas mon choix, donc je ne le porte pas. Mais ça se trouve, dans quelques années, ne sait-on jamais, vous me verrez avec un voile, tu vois, genre je ne ferme pas la porte. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, ça me parle pas. Bon, maintenant qu'on a répondu à toutes les questions, et bah les mecs, on repart. Qu'est-ce que va nous amener cette nouvelle journée? Notre objectif, c'est le sanctuaire d'Asclépios. Et le sanctuaire théâtre de Dionysos. Mais n'empêche, quelle jolie vue. Nous voilà près du coup du théâtre de Dionysos. Et on voit déjà là-bas l'altar. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir avoir un hôtel aussi proche finalement, parce que la plupart du temps, ben déjà il faut qu'il reste l'hôtel, hein, qu'ils arrivent à le retrouver, et surtout c'est souvent très protégé, donc là c'est assez émouvant de me dire bah ouais, en fait là t'es en face de l'hôtel de Dionysos, meuf, c'est trop fou. Si tu ne le sais pas, Dionysos c'est un fils légitime de Zeus. Il est connu pour être le dieu du vin, de l'ivresse et également associé au théâtre. Vu tout ce qu'il y a ici, je peux me dire qu'une seule chose, c'est que ce dieu était vraiment kiffé quoi. Il y a du sanctuaire, en veux-tu, en voilà. Il a carrément un théâtre en plus. C'est fou. Nous voilà arrivés vers le fameux. J'ai vu qu'il y avait une classe, donc on va le laisser terminer. Et après, on y retournera pour voir ça d'un petit peu plus près. Alors, juste avant de rentrer dans le théâtre, ici, on avait des monuments honorifiques pour les grands poètes de l'époque. Il n'y avait pas qu'une seule, comme on peut le voir ici, mais il y en avait vraiment plusieurs. Durant les festivités pour Dionysos, appelée Dionysie, les gens se réunissaient au théâtre. C'est là qu'avaient lieu de véritables joutes verbales. Il s'agissait de concours qui avaient pour but de divertir et d'instruire le peuple. Après cette visite, direction le temple d'Asclépios, tout ce qu'il en reste. Asclépios, c'est un dieu demi-dieu de la médecine. Lorsque les citoyens étaient malades, ils venaient passer la nuit dans le temple pour espérer être guéris par le dieu. Sur ce marbre-ci, on a l'inscription d'une prière pour le dieu Asclépios. Je suis désolée si on voit pas assez bien. Et en fait, c'était une prière pour demander de l'aide, pour qu'en fait, il guérisse la personne. Ce qui est très drôle, en plus de voir ce marbre avec la prière pour Asclépios, c'est qu'on a le temple d'Asclépios juste derrière. J'adore. Ça, c'est génial. On a un autre hôtel qui en fait est dédicacé à plusieurs divinités. Et ça on le sait parce qu'on retrouve leur nom directement écrit sur l'autel. On retrouve inscrit sur celui-ci en grec les noms de Iris, Hermès, Pan, les nymphes et Aphrodite. C'est fou d'être aussi près dans ce altar où il y a pu y avoir des rituels religieux et mystiques. J'aime trop. Vraiment, les altars, je suis contente de pouvoir être aussi proche d'eux, c'est juste génial. Seuls les dieux savent à quel point j'aime cette expérience, c'est juste génial. Je suis à quelques centimètres d'anciens hôtels où il y a eu des rituels et tout. C'est fou. C'est fou. Je dois sûrement beaucoup me répéter pendant ce vlog, mais c'est vrai que c'est la première chose à laquelle je pense. Puis je décide de continuer mon chemin qui ne fait que monter. Tiens, 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 mais c'est qu'on le connaît ce temple. On dirait qu'on retourne voir la maison d'Athéna.
Le pull méduse en est d'autant plus hilarant. Mais pour le plaisir, quelques autres images de ce temple. C'est pour vous, c'est maintenant un montage rapide. Alors, il semblerait que ici, on ait le temple de Thémis. Thémis, c'était la déesse de la justice. Je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait autant de temples de dieux différents au même endroit. Genre, incroyable. Vraiment, niveau bouffe, aujourd'hui, on se fait plaisir. Et je préfère vous le dire tout de suite, il n'y aura pas qu'en bouffe qu'on se fera plaisir. Quelques bagues vont venir s'additionner à mon butin et qui dit shopping dit statue. Ce qui est vraiment cool dans cette boutique, c'est que quand je les prends blancs, ils sont tous à 10 euros. Genre 10 euros, quand les autres les mettent à des prix exorbitants. J'ai trouvé la boutique où on se fout moins de ma gueule. C'était vraiment pas très cher pour le statut, donc je me suis un petit peu lâchée. J'en ai acheté 3. Plus celle d'avant, ça fait 4. Plus les autres achetées encore avant. On va arrêter de compter, hein? On va arrêter de compter. Alors, c'est pas ma religion, mais alors qu'est-ce que c'est beau les églises quand même. Je pense que je vais aller visiter pour voir s'il n'y a pas des tableaux sympas à l'intérieur. Des fois, dans les églises, il y a des vraiment très jolis tableaux. Donc, on va y aller gentiment, discrètement. Vraiment de toute beauté. Honnêtement, je n'ai pas regretté d'avoir poussé la porte de cette église. C'est majestueux. Et j'estime à titre personnel que ça fait tout autant partie de la culture du pays dans lequel je suis que les temples que j'ai visités. Sinon, je suis passée à un autre stade de rat, c'est-à-dire que j'ai réussi à négocier 40 euros sur un produit et j'ai eu un bracelet gratuit. On n'est plus un rat à ce niveau-là, on est un méga rat, on est un super rat. Vous les mini-justiciers, moi je serais super rat en fait. Je pense quand même qu'on va s'arrêter là en termes de dépenses, sauf si je trouve un joli petit Hadès. Le problème avec Hadès, c'est qu'ils mettent toujours un vieux fil en plastique dégueulasse. Genre mettez-lui une chaîne, respectez-le un petit peu le Hadès. Pour préparer la journée demain, je pense que je vais aller me faire bouffer les pieds par des poissons. On va aller à Fish Doctor. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit là-bas? Il est écrit Fish, ça veut dire poisson. En vrai, c'est satisfaisant. Et oui, mes pieds sont blancs comme des cadavres. En vrai, ça fait des guilis. Je pense que je pouvais au moins offrir ça à mes pieds, vu le nombre de pas qu'on fait par jour et qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Ils le valent bien. Je commence un peu à préparer la valise pour le retour. Et je me dis qu'on a à peine déconné, voilà. À peine. Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais concrètement, la question du jour, elle me demande ce que je recherche ici et qu'est-ce que j'attends de ce voyage. Et c'est une super bonne question parce que j'ai tout écrit dans mon petit carnet. D'ailleurs, les objectifs avancent à grands pas. Mais ouais, je suis hyper contente et tout de cette aventure pour le moment et c'est un grand enrichissement. Moi, je voulais juste prendre du temps pour ce que j'aime, c'est-à-dire apprendre, c'est-à-dire le panthéon grec, c'est-à-dire découvrir des choses, et c'est ce que je fais, c'est le principal. Bon bah maintenant vous connaissez la marche à suivre, on va y aller, on va beaucoup marcher, vous allez pas le voir parce que je pense pas prendre spécialement de vidéos pendant que je marche, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais à mon avis je vais un petit peu en chier aujourd'hui. Et j'ai un petit peu mal à la gorge malheureusement, mais c'est une chose qui allait arriver puisque je suis partie à Athènes avec un petit rhume que j'ai essayé de minimiser au maximum, mais j'ai pas continué à prendre des médocs pour me soigner. On va revenir en France, on va être malade, c'est tout. Le grand bâtiment que vous voyez juste ici, c'est le musée de l'Agora. On appelle l'Agora le berceau de la démocratie. Je te propose de venir avec moi la visiter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a été au musée de l'Acropole, il y avait une énorme frise qui montrait les Panathénées. Et moi, j'avais lu que du coup, ils passaient par l'Agora pour faire les Panathénées, donc la procession à la déesse Athéna, protectrice de la ville. Et en fait, apparemment, juste ici, et ben, c'est là où c'était la voie pour y aller. Les anciens hellénistes ont donc marché, genre, juste ici. C'est un petit pas pour Sister Réseau et un grand pas pour ses objectifs. Juste ici, on est face à un ancien temple du dieu Arès, qui est le dieu de la guerre, du combat. Et en fait, il a été démonté, ce qui est un peu dommage. Et juste derrière, on peut voir
C'est son ancien altar, juste ici. Il est le frère du dieu Héphaïstos dont nous verrons le temple juste après, et il est le fils légitime de Héra et Zeus. Vous voyez ce petit triangle ? Avant, il était plutôt carré, on va pas se mentir. Et c'était un hôtel pour les 12 Olympiens. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait juste avant. On a un petit croquis juste ici. Donc en fait, ça ressemblait plutôt à ça. Et je trouve ça chouette de voir qu'il y avait même des hôtels, mais carrément pour 12, les 12 divinités directement. En fait, il y a des hôtels partout ici, c'est ça qui est génial. Là, on a du coup peut-être un hôtel à Zeus. Je pense que le point d'interrogation, c'est qu'on n'est pas sûr, quoi. On travaille toujours sur la question. Ici, nous avons donc un ancien temple à Apollon. C'est un peu mieux que ce qui reste ici, mais c'est pas grand chose quoi. Et il est collé à un temple de Zeus Athéna qui est juste là. Durant l'Antiquité, l'Agora est la place tournante de la ville d'Athènes. C'est un endroit où on y fait beaucoup de choses. C'est un endroit qui se veut propice aux échanges. Échanges commerciaux, échanges politiques, échanges philosophiques. Quand on dit que l'Agora est le berceau de la démocratie, cela est lié au fait que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu as des droits et tu as le droit de t'exprimer. Cet endroit a accueilli les plus grands penseurs que l'humanité ait portés, comme par exemple Socrate ou Platon. À l'Agora, on s'y nourrit l'esprit, mais on nourrit également les divers cultes, puisque comme vous avez pu le voir, il y a de nombreux temples. Pour conclure, l'Agora avait une grande place pour les Athéniens de l'époque. Je visite, et à un moment je croise un gars de sécurité qui sont là pour veiller à ce que le temple, les gens fassent pas n'importe quoi, il m'arrête et tout, il fait, toujours pas en mode méchant, genre juste on papote, et il me parle et tout, il me fait, oh vous venez de France, vous connaissez Lyon, oh vous venez de Lille, un groupe il y a deux semaines, ils sont venus de Lille et tout. Du coup on a papoté, on a parlé de champagne, de bourbon. On a une belle image quand même à l'étranger les mecs, on a une belle image. Et je suis contente de pouvoir parler un petit peu en anglais. Ça me fait plaisir de voir qu'on s'améliore de jour en jour, finalement. Bon, nous, on va monter au famoso, ici. On va aller voir ça de plus près. Ce monument est un temple dédié au dieu Héphaïstos, dieu de la forge et de l'artisanat. Il est ironique de se rendre compte que le seul temple qui a réussi à garder son toit est celui de Héphaïstos. Hasard, mystère, drôle de coïncidence ou simple signe de ce dieu, à vous d'en juger. Une chose que j'ai particulièrement aimée avec ce temple, en plus qu'il soit en excellent état, c'est qu'on distingue encore l'autel à l'intérieur de celui-ci. Je me fais des potes et ils sont vraiment à l'aise. Il m'a pas trop laissé le choix là. Là il est bien. Ah bah oui, d'accord. Ok. Donc voici Darling 17 et Darling 18 qui est juste là-bas. Darling 17 aime vraiment beaucoup sa place, hein. Il fait comme chez sa mère, un peu. Et maintenant nous allons voir le musée de l'Agora qui est extrêmement intéressant. Il y a une statue que j'ai particulièrement envie d'aller voir. Là je suis contente, j'ai trouvé la Mother of Witcheries. Là, on a une statue de la mère des sorcières, alias Hécaté. Je suis vraiment contente de la voir. Ensuite, ici, on a une représentation de Perséphone, de Déméter, et d'autres individus que je n'arrive pas trop à vous identifier. Là, on a une Aphrodite. Je sais que vous aimez énormément cette déesse. Ici, on a une partie d'une statue qu'il y avait dans le temple d'Apollon qui était censée le représenter. Apparemment, le porc, on n'a pas retrouvé sa tête. Là, on a une très jolie amphore. On peut voir le sphinx. Donc, en Grèce aussi, il y a l'apparence du sphinx, ce qui est un peu différent que celui qu'on peut connaître plus populaire en Égypte. Et du coup, avant, il devait ressembler à ce. Et des représentations de dieux et déesses, je veux en avoir. Et elles vont se succéder les unes aux autres pour mon plus grand plaisir. Honnêtement, je n'ai absolument pas été déçue du musée. J'en garderai un magnifique souvenir. Vous vous souvenez du temple pour les 12 Olympiens, les 12 dieux? Bah, il se prolonge ici. En fait, t'as le métro en plein milieu qui casse tout. C'est trop triste. Apparemment, il y avait aussi pas loin un temple à Aphrodite, mais malheureusement, il n'est plus parmi nous. Voilà le fameux métro.
Je pense que ma visite au temple s'arrête ici. On va repartir. Et on dit adieu au temple, aux hôtels, aux maisons des dieux. J'ai adoré, vraiment, n'hésitez pas à y aller, c'est hyper intéressant. Comme d'habitude, dans ce vlog, j'en ai profité pour aller manger, et qui dit manger dit ensuite souvenir. Non, je n'ai pas pris de tarot, même si j'avais très envie, car il n'avait rien de spécifique à l'endroit. Par contre, dans la ruelle que j'ai parcourue, il y avait plein de boutiques avec des styles alternatifs. J'ai trouvé ça très original. J'aime bien le style, mais le problème c'est que je pourrais pas être une hippie dans le nord parce que c'est pas assez épais, c'est pour survivre. Mais peut-être qu'on pourrait être une hippie dans le nord en été. On va tenter un truc. Clairement, je sors de ma zone de confort en termes d'habits. Pour quelqu'un qui avait un col roulé juste avant, on est vraiment en mode... ça demande un certain effort, quoi. C'est extravagant, mais ça me va bien, non? Écoutez, je suis repartie avec, et si on fait pas de choses folles maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Faut bien l'avouer, ces vacances me forcent à être pleine d'initiatives. Et comme vous allez le voir dans la suite des images, je ne sais pas pourquoi, mais dans cette ruelle, vraiment tout était extravagant en termes de boutique. En vrai, je trouve ça super cool, et ça change vraiment de ce qu'on a eu l'habitude de voir depuis le début du séjour. Mais quand je viens en Grèce, il y a un type bien précis d'achat que j'aime faire. En plus, vous me connaissez, vous me voyez déjà venir. Il serait dommage d'avoir été voir le temple d'Héphaïstos et genre de pas prendre d'Héphaïstos. Donc j'en ai pris. Voilà, c'est dit. Si vous voulez des bons prix, c'est ici que j'ai l'Aphrodite à 10 euros. Rien ne va plus, il faut me retirer la carte bancaire des mains parce que là, je viens d'acheter un sphinx. Faites ce que vous voulez avec cette information. On vient de rentrer et officiellement nous avons réussi tous nos objectifs de visite. J'ai vu tout ce que je voulais voir. C'est bon. J'ai un objectif de ma vie qui est réalisé, les mecs. Je suis trop contente. On regarde notre petit carnet à objectifs. On voit qu'on a réussi à tout faire. Il n'y a que me prouver que je peux y arriver qui n'est pas encore coché. Parce que pour prouver qu'on peut y arriver, il faut être capable de rentrer en France. Bien le bonjour, nous sommes arrivés à notre dernier jour ici et comme vous avez pu le voir, il pleut, ce qui fait que on a beaucoup moins de possibilités que les autres jours de nous amuser. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas grave puisqu'on a réussi à faire tous les objectifs, on a été voir tous les lieux, tous les temples que je voulais voir avant de partir, donc la mission est-elle réussie. Par contre, pour réussir l'ensemble des objectifs qui est prouver que je peux y arriver toute seule, il bah faut réussir à repartir et du coup aujourd'hui c'est un peu le jour préparatif du départ. On fait la valise, on essaye de comprendre comment changer le code de la valise. On va essayer de voir si avec le poids, avec toutes les statues qu'on a achetées, ça rentre bien dedans. Est-ce qu'on dépasse pas les 15 kilos ça j'ai quelques doutes. Également, aujourd'hui je vais retourner dans certains temples, donc le temple de Dionysos, Asclépios, l'hôtel d'Aphrodite, Pan et les nymphes, ce genre de choses. Parce que comme il pleut, je me dis qu'il y a peut-être un petit peu moins de monde. J'étais vraiment en mode très touriste, vous voyez, mais pas assez, je trouve, à me faire plaisir en tant que sorcière et païenne. Donc j'aimerais bien, un peu comme j'avais pu le faire au temple de Zeus, où là il n'y avait personne, c'était génial, j'ai profité des lieux, des énergies, faire ma petite prière et tout, avoir mes petites pensées pour la divinité. J'ai même avec moi... Où est mon pendule? Voilà, j'ai le petit pendule, le but ça va être de pratiquer aujourd'hui. Ce genre de petites choses. Et on va faire notre traditionnel, on répond à vos questions. Première question pour aujourd'hui. Tu t'y as pris combien de temps à l'avance pour préparer ton voyage par rapport à tes congés, etc. Alors je m'y suis pris à peu près 2 mois et 10 jours à l'avance pour partir. Pourquoi? Parce que le mois de janvier c'est celui où il est le plus simple pour moi d'avoir des congés. Qu'en plus il n'y aurait pas de touristes, donc ça serait moins relou. Je n'aime pas partir en été parce que je supporte très très mal la chaleur. Et apparemment ici en été c'est quelque chose, étant donné que là on est en hiver, il fait 18. C'est pas l'île qui ferait ça. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait pour pouvoir partir.
Quel autre pays vas-tu visiter ou veux-tu visiter? J'aimerais énormément visiter le Japon. J'aime énormément la pop culture qu'il y a autour du Japon. Je trouve ça également très joli le côté traditionnel de ce pays-ci. Donc ça me tiendrait énormément à cœur d'y aller. Malheureusement, étant donné que mon anglais est pas ouf, je voudrais pas y aller toute seule pour celui-ci. J'aurais besoin de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que moi. Ça, c'est sûr. Bon, c'est parti pour la journée chill! On est de retour dans tout ce qui est les temples Asclépios, temple Dionysos, théâtre de Dionysos et tutti quanti. On est accueilli avec une jolie musique, comme vous pouvez l'entendre. Je fumerai peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est pour prioriser du coup l'expérience. J'espère que vous m'en voudrez pas. Là, je suis juste devant un ancien temple de Dionysos et on va faire du coup les petites pensées, les petites prières que certaines personnes abonnées généralement m'ont demandé d'avoir envers certaines divinités. Et Dionysos, c'est pas forcément un dieu avec qui j'ai énormément d'affect. Le fait de le découvrir là, je trouve ça très intéressant. Le fait qu'il soit associé, ben, pas que à l'ivresse, parce que moi je ne bois pas, donc c'est pas forcément ce que je vais retenir de lui, mais le fait que bah, il est associé au théâtre, aux arts, bah, j'aime beaucoup. Je viens de faire ma petite prière, j'ai les mains, elles tremblent. Pourtant Dionysos, c'est pas forcément un dieu avec lequel j'ai particulièrement d'affect ou que je connais particulièrement bien, mais je sais pas, les énergies étaient vraiment spéciales. J'ai envie de chialer, c'est pas une bonne idée puisqu'on a mis du maquillage et du mascara noir et ça va clairement se voir si je le fais. Donc on va pas chialer, on va se remettre un petit peu de ses émotions et on va continuer à avancer vers les autres temples et revoir aussi un petit peu le théâtre. Voilà, voilà. Putain. En plus le cadre est magnifique, le lieu est désert, il y a absolument personne pour m'embêter. Je peux vraiment m'approcher, comme je vous disais, de très très près. Je me sens plus que extrêmement privilégiée là. Oh, putain, je vais pas chialer, on a dit on chiale pas. Ça fait bizarre de me dire que je vais repartir en France et je pourrais plus revenir. Ça me brise un peu le cœur en fait. Je crois que c'est ça l'émotion, c'est que ça me brise le cœur. Essayez de pas venir quand il y a des jours de pluie parce que c'est vraiment so complicated. Il y a un peu trop de monde du niveau d'Asclepios donc je vais pas y aller. Et je regrette particulièrement d'avoir mis une robe et d'avoir pris des chaussures beiges. Je regrette si fort. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai acheté ceci. Donc j'ai écrit Dionysos dessus. Et je me suis dit que j'allais récolter du coup la terre de Thémis. Donc la terre de la déesse de la justice pour utiliser plus tard dans des rituels. C'est bon, il y a un petit peu moins de monde, donc je vais essayer de me recueillir un petit peu, mais il y a quand même pas mal de passages de temps en temps, donc ça risque d'être moins facile, je pense. Mais j'aurais trop aimé voir à quoi il ressemble avant ce temple-ci. Je crois qu'il y a une petite image sur un des documents, on va aller voir ça. Donc, juste ici, et ce qu'il en reste est ici. Et voilà, on repart, je tire ma révérence au temple grec. C'est comme si j'avais déjà de la nostalgie, alors que j'étais pas encore partie. C'est horrible. Et je me rends compte qu'il y a cet endroit, cette ruine, où je vous en ai pas plus parlé que ça. Il s'agit d'un ancien temple où on n'a pas su identifier à quelle divinité il était associé. On pense qu'il peut être associé à Hermès ou bien à Hécate. Ce temple était un peu plus petit et reculé que les précédents temples que nous avons pu voir. Intéressant, n'est-ce pas? Et si on partait à la recherche d'autres divinités? Et vous saviez que j'avais pas compris au début que cette statue, c'était genre une Athéna. Là, c'est l'Athéna qui se bat contre les titans. Mais non, j'avais pas reconnu Athéna, j'avoue. Sur plusieurs cartes et plusieurs plans, j'ai cru comprendre qu'il y avait un endroit dédié aux nymphes. Je me suis donc mis en quête de le retrouver. Juste là-bas, il y a écrit nymphe sur la stèle et short of nymph. Et je crois qu'on a... Pour la première fois, en tout cas c'est la première fois que je vois, une petite offrande juste devant. Quête secondaire accomplie. Après tant d'émotions et parce que la visite s'accreuse, je décide de faire ma petite pause repas. Et histoire de rester sur une formule gagnante, parce que maintenant vous le savez, qui dit repas dit après shopping. J'ai encore fait une folie, mais bon c'était pour mon ami, donc peut-être que vous l'appréciez sous le nom de Asoteka. Je lui ai pris un joli calice, j'espère qu'elle l'aimera beaucoup. Je continue sur ma lancée en cherchant les derniers cadeaux pour les amis, la famille, parce que ça fait toujours plaisir. J'en ai profité pour
passer à la réception, imprimer les tickets, c'est mieux pour rentrer à la maison quand même. Et me revoilà déjà repartie. On y va de manière un peu plus légère. Et c'est parti. Ce qui est cool, c'est que même s'il fait nuit, le musée est ouvert jusqu'à 22h ce soir, ce qui est génial puisque c'est mon dernier soir, donc autant vous dire qu'on va en profiter. C'est la première fois que je vais faire un musée de nuit, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Regardez-moi cette beauté. Dis-moi que tu as le musée pour toi toute seule, sans me dire que tu as le musée pour toi toute seule. Quel bonheur. Là, on a une représentation d'une nymphe qui s'occupe de bébés Dionysos. C'est mignon. Bon, je vais pas vous refaire le musée, on l'a déjà vu au précédent épisode. Par contre, j'ai sélectionné 2-3 petits trucs dont j'avais envie de vous parler. Et ça commence avec la salle du haut. Mais si, tu sais, la salle où il y a la frise des panathènes. On a des scènes de bataille qui sont représentées, par exemple les titans contre les dieux. On a d'ailleurs quelques dieux qui sont pas souvent mis en avant, comme Iris ou Séléné. On a aussi les batailles avec les Amazones, encore les batailles avec les centaures. Mais regardez-moi comme ils sont beaux. Ensuite, pour des recherches, disons plutôt personnelles, je vais m'intéresser aux représentations avec les miroirs. Donc Aphrodite, Eros, les petits érotes. Sur ces vases, par exemple, sont des scènes de jeunes femmes mariées prêtes à accomplir son devoir conjugal et on la voit avec le érote et le miroir. Et enfin, le meilleur pour la fin, mon petit chouchou en tant que sorcière, la Magic Ball. Cet artefact était enterré sous le terrain pour tricher à des épreuves sportives. On retrouve sur cette sphère le dieu Hélios, dieu du soleil. On retrouve également plusieurs animaux comme le serpent, le lion. Et selon les chercheurs, parmi les symboles un peu bizarres, on va retrouver des associations aux 5 éléments. C'est plein de secrets et de mystères à décrypter. En tant que fan de sciences occultes, j'ai tout redessiné dans mon petit carnet et j'étudierai ça de plus près en revenant en France. Cette sortie au musée sonne la fin d'une journée et le début d'une nouvelle. J'irai même plus loin. C'est la fin d'un voyage et le début d'un nouveau, puisqu'il est temps de rentrer en France. Finalement, pas de complications à l'aéroport et comme pour un adieu, il y avait un arc-en-ciel juste au-dessus de mon avion. C'était magique. J'ai décidé de le prendre comme un signe, venant peut-être de Iris, messagère des dieux. La Grèce m'a offert son plus joli au revoir et moi, je dis au revoir à la Grèce. Alors oui, je suis partie. Mais j'ai tellement grandi et appris en si peu de temps que ça donne déjà envie de revenir. De plus, il faut être honnête, je ne repars pas totalement seule. J'ai avec moi plein de beaux souvenirs, ce carnet, les statues et ce vlog que vous êtes en train de regarder. Honnêtement, j'espère que vous aussi, vous aurez eu l'impression de voyager avec ces deux vlogs et que vous repartez en ayant appris quelques petits trucs. D'ailleurs, nous voilà déjà en France et l'heure est au bilan. Je suis rentrée en France, nous avons réceptionné Louisiana, voilà. On est l'équipe au complet et par contre la claque dans la figure avec la température, il fait 1 degré ? Moins 1,5. Est-ce que c'est bon pour vous ? Il faisait 17 en Grèce. Voilà, il fait noir surtout. Les valises ont bien été réceptionnées, nous allons voir maintenant si les statues ont survécu à l'aéroport, ce qui n'est pas fait messieurs dames. Je viens de rentrer et je suis trop contente de revoir Dari. C'est le monde des cadeaux, nous avons offert ce joli petit bracelet à ma mère. Alors elle aime bien les perles, mais elle aime pas l'œil, MDR, c'est ce qui fait le bracelet. Soit lui, Sana. C'est là. Donc la fameuse carte, mais dans l'autre sens, ça marche mieux. Une petite Athéna d'Aise du Savoir. Et on s'en va du coup à l'huile d'olive. Et pour mon papa, un t-shirt grec. Voilà. Et nous voilà au moment tant attendu, le déballage. Je suis quand même majoritairement contente parce que la plupart ont survécu. Il n'y en a qu'une seule qui n'a pas survécu, c'est la Hestia. Il y a son poignet qui est cassé, mais on va y remédier. On espère qu'elle sera bientôt parmi les autres Olympiens. Là, on a un caillou qui vient près de l'hôtel où il y avait Dionysos. Et ce que j'ai fait, c'est discrètement, j'ai dessiné un petit raisin pour pouvoir le reconnaître que c'était bien du coup le caillou qui venait de là-bas. Pareil par exemple pour Zeus, comme vous venez de le voir dans le petit carnet. Hop. Si le focus veut bien se faire, on a un petit éclair. Là j'ai ma plante qu'on avait ramassée d'olivier qui est en mauvais état. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un maximum les petites feuilles, les mettre dans un petit pochon.
Et une fois que je serai donc dans mon vrai chez moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire brûler en l'honneur d'Athéna pour la remercier du voyage, la petite branche du coup d'olivier qui vient d'Athènes. Je pense que c'est une petite offrande qui sera se faire apprécier. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like, tu peux partager, commenter. Moi, ça me permet de voir que mon travail est soutenu et ça me donne encore plus envie d'en refaire après. Sur ce, à bientôt!